Début des années 90, on faisait du skimboard avec les cousins et les potes sur le secteur d'Agon-Coutainville, Lenneville-sur-Mer. C'était un sport qui était très très peu développé en France. C'est un sport qui se pratique à la fois sur l'estran, sur la partie plate, mais en compétition et sur vague, on pratique le skimboard sur le shorebreak. Le shorebreak, c'est cette pente de sable qu'on a en haut des plages, enfin qu'on avait en haut des plages. Quand on a créé le club en 1996, on avait des plages très 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 pentues sur Agon-Coutainville, Lenneville-sur-Mer, Bouville. On allait skimer énormément sur ces plages de sable fin avec des vagues qui venaient casser sur ces pentes de sable. Donc le club est né à cet endroit parce que les plages étaient vraiment adaptées à la pratique de skimboard de vagues. Et le club s'est développé, donc on est un club de skimboard qui fait également du surf. Avec cette situation géographique, on a pu avoir une belle équipe de haut niveau de skimboard. On a organisé une 18 Coupes de France sur le shorebreak du Platé. C'est une des plages de Suville. Et d'année en année, ce shorebreak est devenu très très caillouteux avec de moins en moins de sable et tout. Et il y a 3 ans, on a dû arrêter l'organisation de cette compétition parce que ça ne devenait pas digne d'une compétition de skimboard glissée sur des cailloux. Ça ne plaisait pas à tout le monde et à nous non plus. Souci sur pas mal de spots, d'ailleurs en France, hein, pas que en Normandie, avec ce sport, parce que les shorebreaks disparaissent, les cailloux apparaissent et on ne peut plus pratiquer. Il y a une montée des eaux qui est réelle. Agon-Coutainville est une ville qui a été construite sur la dune il y a des années, qui est protégée avec des digues de béton. Depuis 15 ans, du sable est ramené tous les ans du Havre qui se situe au nord d'Agon-Coutainville, à Blainville-sur-Mer, sur les plages principales d'Agon-Coutainville ou les plages les plus touchées par l'érosion pour protéger la digue qui, elle, protège aussi les habitations. Ce sable n'est pas d'une super qualité, enfin, c'est un sable assez gravillonneux avec une granulométrie assez importante. Tout le sable fin ne tient pas sur ces plages et avec les épis perpendiculaires à la mer, des effets de chasse avec les marées se créent et le sable fin repart en fait, donc reste que le gros caillou. C'est quand même une problématique touristique parce qu'on est dans une station balnéaire et c'est vrai que les touristes, quand ils arrivent dans une station balnéaire, ils veulent tous une plage de sable fin. Des choses qui ont été faites et qui n'ont pas fonctionné. Moi, lui, il y a l'exemple de ces boudins. Bon, voilà, ils n'ont pas voulu passer à l'enrochement. Ils ont essayé de trouver une solution alternative qui pensait qu'elle allait être la bonne. Et ils se sont avérés que les boudins remplis de sable pour renforcer la dune, ça n'a pas fonctionné. Et derrière, dans l'urgence, après les tempêtes qu'il y a eu cette année, avec les gros coefficients de marée qui allaient venir, ils se sont décidés de passer à l'enrochement comme à Agon-Coutainville. On arrive là-bas, on a ce côté idyllique avec les cabanes de Gouville sur la dune, sur une dune qui est encore bien préservée. Et puis sur la partie nord, vous avez des boudins de sable, après vous avez des cailloux. Voilà, et au-dessus des cailloux, vous avez des camping-cars. Réfléchissent à des solutions. Il y a des bateaux qui draguent du sable et qui ramènent du sable sur les plages pour l'été, sur les plages touristiques. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable sur le secteur? Pourquoi pas? Maintenant, aller draguer du sable, nous, ici, à marée basse, on a beaucoup, beaucoup de coquillages, on a des palourdes, on a des coques, on a des praires. Donc, aller racler des fonds, ça peut être aussi très, très mauvais pour l'environnement. Donc, voilà, les solutions, on les a pas. Il faudrait arriver à ramener du beau sable sur les plages touristiques, quand même, parce qu'il y a quand même des enjeux hyper importants pour tout le monde dans le secteur. Pour notre association, la solution pour les cours, c'est les cours de marée basse sur ce que dans le nord ils appellent les bâches, nous on appelle ça des marettes. Voilà, c'est très bien pour s'initier, mais c'est vrai que ça nous limite dans l'évolution parce que notre sport aussi, c'est pas uniquement le plat, c'est aussi le skimboard de vagues.
Donc les solutions avec le haut niveau dans notre club, bah, c'est de bouger. Donc on organise des stages en Vendée, dans le sud-ouest. On est obligé de bouger beaucoup pour qu'ils aillent s'entraîner sur des bonnes plages. Et puis on cherche tout le temps un petit triangle magique, un petit endroit où il y a du sable. Au printemps, on a une très belle plage sur 20 mètres à l'école de voile pour faire du skimboard. Mais les conditions bougent tellement que c'est pas régulier. Donc pour le haut niveau, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Pour les cours, ben voilà, la solution c'est la marée basse, mais ça nous limite les créneaux parce que la mer est haute longtemps. Et puis financièrement, on ne peut pas multiplier le nombre de cours dans une journée. Donc l'alternative, c'est cette piste de skimboard qu'on a créée il y a quelques années. Hein. On avait tellement de cailloux qu'il fallait trouver une surface lisse pour apprendre à faire du skimboard. Malheureusement, on aurait préféré faire tous nos cours en milieu naturel.